remporter la course de l'île de lave. Je vais l'en empêcher avec mon meilleur piège de tous les temps. Mon robot pâtissier géant. Blaze, fais attention, un muffin géant. Il n'y a qu'un moyen de se débarrasser d'un gâteau aussi gros. On va utiliser nos pneus fabuleux. Eh oui, si on utilise le pouvoir grandissant, nos pneus deviendront super grands. Et avec des roues plus grandes que le muffin, on pourra rouler dessus et l'écrabouiller. Pour donner à nos pneus le pouvoir grandissant, dis pouvoir grandissant. Pouvoir grandissant. Et voilà. Attention Blaze, on va devoir écrabouiller un gâteau encore plus grand. Un énorme beignet à la myrtille. Wow, ce beignet fait 9 mètres de haut. Dans ce cas, nos pneus fabuleux doivent faire 10 mètres de haut. Compte avec nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du travail d'équipe. Et regardez, l'île de lave est toute proche. Oh oh, mes crocheurs est presque arrivé. Dépêchons-nous si on veut le rattraper avant la ligne d'arrivée. Il est temps d'utiliser la vitesse explosive. Pour me donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze. Fonce Blaze. Écrou. Un jet de lave a détruit une partie du pont. Mince alors, il n'y a plus qu'une seule monster machine capable de franchir la ligne d'arrivée. Et devinez quoi? C'est moi. On ne peut pas laisser la victoire à Crusher. Et sans cette partie du pont, on ne pourra jamais atteindre l'île de lave. À moins qu'on puisse rouler directement sur la lave. Rouler sur la lave brûlante? Blaze, c'est impossible! Mais non, rien n'est impossible quand on est équipé de pneus fabuleux! Oui! Excellente réponse! Pour donner à nos pneus le pouvoir de rouler sur la lave, dis pneus spécial lave! Pneus spécial lave! Attention, île de lave! Nous voilà! Personne ne me dépassera avant la ligne d'arrivée. Et surtout pas Blaze, hein? Oh, c'est pneu fabuleux! Et je connais le meilleur moyen de fêter cette belle victoire. Le pouvoir de la fête. C'est parti. Amusons-nous.